Cette pièce est divisée en trois parties principales. La première partie, main gauche, on a le Do central ici. On va avoir le doigt 5 sur le Fa. Donc, on a un premier Fa ici, un second ici. Donc, doigt 5. Donc, on va avoir un enchaînement, doigt 5 sur le Fa ici. Et maintenant, on va aller faire un accord de Fa renversé. Donc, on va avoir La bémol, on a le La ici. Un demi-ton en dessous sur la noire, c'est La bémol. Ensuite, on a le Do. Et on Do central avec le doigt 3 et le Fa avec le pouce. 5, 3, 1, La bémol, Do et Fa. Donc, on va faire en rythme Fa, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'autre accord qu'on va avoir, c'est le Do. Donc, Do mineur avec l'octave. Donc, on a le Do central ici. Donc, on va aller le Do en dessous avec le doigt 5. Do. Ensuite, on a le Mi bémol avec le doigt 4. Le 2 avec le sur le Sol. Et le pouce sur le Do central. On pourrait faire un autre doigté, doigt 5 sur le Do. Si on a des petites mains, ça peut être plus facile de faire. Avec le doigt 5 sur Mi bémol ensuite, le doigt 3 sur le Sol et le pouce sur Do central. 1, 2, 3, 4. Même rythme. Ensuite, on va revenir sur le Fa. 3, 4, 1, 2, 3. La main droite. On a le Do central ici. On va aller mettre le doigt 2 de la main droite sur le Do en haut. Do, Mi bémol, Ré, Do. On va changer de doigt avec le doigt 3. Do, Si, Do, Si. Ensuite, on revient le doigt 2 sur le Do. Do, Mi bémol, Ré, Do, doigt 3 sur le Mi de court, le Mi normal, Mi, Fa, Do, Mi bémol, Ré, Do, doigt 3 sur Do, Do, Si, ensuite doigt 3 sur La bémol, La bémol, Sol. Ensuite, doigt 2 sur le Fa. Fa, Sol, Fa, Sol. Doigt 3 sur le La bémol. La, Sol. Doigt 3 sur le Sol. Sol, Fa. Il y a beaucoup de changements de doigts, mais ça permet de faire un meilleur son au niveau du piano quand on utilise ce doigté-là. Donc, je refais, mais avec les numéros de doigts. 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2. Je refais avec les noms de notes. Do, Mi bémol, Ré,
Do, do, si, do, si, do, mi bémol, ré, do, mi, fa, do, mi bémol, ré, do, do, si, la bémol, sol, fa, sol, fa, sol, la bémol, sol, sol, fa. Maintenant, la première partie à deux mains. Main gauche en premier. Ensemble. Ensemble. Fa. Tout seul. J'insiste tout le temps auprès de mes élèves de jouer avec la main droite le premier fa parce que ça sonne mieux, on entend mieux la mélodie qui est très importante. Ensuite, juste la main gauche. On a une barre de reprise, donc on refait la même chose. Je vais le faire un petit peu plus vite. Je mets le pouce à la place. Seconde partie qui fait presque office de refrain. Donc là, on s'en va plus bas. Donc on va avoir le si bémol. Là, on est pas mal en bas, do central. On a un do encore ici, un autre do ici, et le si bémol. Si, si bémol. Un demi-ton, donc c'est la noire en dessous du si. Ensuite, on va avoir le... Ici, on a le do central, le fa, doigt 5, ensuite si bémol, doigt 2, et ré bémol. Ré ici, bémol pour en bas. Donc, sur la noire qui est en bas du ré. Donc, le rythme, ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le rythme, c'est important de le travailler, sinon ça change toute la pièce. Ensuite, à la main droite, donc on va avoir la bémol, do central ici, avec le doigt 2 sur le la bémol. La bémol, si bémol, la bémol, sol, la bémol, si bémol, la bémol, sol, la bémol, sol, sol, fa.
des numéros de doigts. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2. Revient sur notre premier accord de Fa. Et là encore là, la petite twist, on fait que les deux premières notes, les notes La bémol Do, et on garde cette note-là qui est la note contenue dans la mélodie avec le doigt 2 pour ensuite changer. On a une reprise. Encore une fois, on va utiliser pour la main gauche le même accord, donc le Fa doigt 5. Et ensuite, on saute La bémol, Do, Fa, 5, 3, 1. Pour la main droite, donc on a le Do central ici, à l'octave au-dessus, octave 8 notes au-dessus, le pouce. Do, Ré, tourniquet, le pouce, je le passe en dessous, Mi, Fa, Sol, Si doigt 5, Sol, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Ré bémol, Do, Do, Si, La bémol, Sol, Sol, Fa. Les numéros de doigts maintenant. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Les deux mains ensemble, lentement. Thank you.
le refrain. Ensuite, on a la partie suivante qui ressemble au début, mais version simplifiée ou écourtée si vous préférez. Donc, main gauche, c'est les mêmes accords que d'habitude. Donc, je vais m'enligner sur la main droite seulement. Donc, au lieu de faire la répétition, on l'écourte. Deuxième fois, je vais le faire avec les numéros de doigts. 2, 4, 3, 2, 3, 2, on garde. 2, 4, 3, 2, 3, 4, on garde le 4. Les deux mains ensemble. Ensuite, on va se diriger vers la troisième partie qu'on a apprise. Elle est exactement pareille. Quatre, un, deux, trois, quatre.